Je pense que Divine a permis de leur proposer quelque chose d'un petit peu plus exceptionnel qu'ils n'auraient pas eu sinon dans notre carte habituelle. Véronique Giraud, la directrice de l'hôtel Océania Paris-Porte de Versailles. Les retours sont excellents et souvent ils se prennent un petit peu au jeu, c'est-à-dire qu'au début ils prennent un verre et puis ils ont envie d'en découvrir un deuxième puis un troisième. Donc je dirais que c'est plutôt sympa, ça crée un peu une dynamique pour le client comme pour nous. On est un peu challengé, on a pas envie de dire alors vous voulez en tester un autre et tout, et ça fonctionne. Le chablis est un incontournable, le pauillac est très sympa et les clients l'adorent aussi. Enfin, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Sur du plus haut niveau, le Gevrey Chambertin est incroyable aussi. Donc je dirais c'est vraiment très sympa. Puis on peut changer, renouveler, découvrir des nouveaux crus. Donc voilà, c'est un petit bonheur. La gamme Divine chez nous compte une dizaine de références et va de 12 jusqu'à 18 euros. Alors c'est vrai qu'on avait un petit peu peur que les vins plus chers ne rencontrent pas leur public, mais finalement ça fonctionne très bien. On a des clients qui sont amateurs de vin et qui savent apprécier et qui se font plaisir et qui sont très heureux de pouvoir se faire plaisir, surtout en fin de journée. Et j'irais même des clients qui ne sont pas si amateurs de vin que ça, se prêtent au jeu aussi de pouvoir découvrir, se dire ce sont les meilleures conditions pour déguster pour la première fois un vin d'exception. Donc pour accompagner notre petite restauration et puis sur la partie after work, sur les mois de forte occupation, on arrive à peu près à 150-200 flacons par mois, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on espérait à la base. Ça nous a permis aussi d'avoir une offre un peu plus premium et aussi de travailler la marge. Donc au final, je dirais, l'impact est très positif sur nos ventes.